membrane de polyester. On est sur quelque chose qui va être du coup beaucoup plus rigide, qui va avoir du contrôle, donc du coup de la précision aussi, qui va être plus rigide, donc moins cassant aussi. Ça peut être ça vraiment les différences fondamentales. Après, pour un usage tennis, mais pour vous, pour un usage standard, peut-être que entre les deux, vous pouvez prendre peut-être une jauge plus fine en monofilament et une jauge un peu standard en multi pour avoir une équivalence de longueur. Ouais, moi j'aurais tendance, je sais pas, dans ce cas-là, je partirais plutôt sur du monofilament. François Ducroix, donc responsable du magasin Cap Tennis, où je travaille depuis 25 ans. Donc j'ai eu pas mal d'expérience dans le métier du cordage, notamment à corder le Grand Prix de Tennis de Lyon pour 5 des 6 dernières éditions et d'autres. Et donc c'est pour ça qu'on parle maintenant, on vient de demander conseil sur les différents types de cordes, donc pour les joueurs de tennis et autres. Donc il y a trois grandes familles, donc le multifilament, le monofilament et le boyau. Le boyau ne va pas trop vous intéresser, par contre sur le multifilament, on a eu du coup une expérience en commun précédemment où vous avez pris des bobines de Duramix, une corde Technofibre, donc une marque française, en jauge 1,35 qui a des vertus quand même assez dynamiques et de contrôle. Et là, on a une proposition, du coup on est parti sur une autre version de corde, c'est sur du coup la marque Head autrichienne, qui fait des cordes monofilament qui sont plutôt de très très bonne qualité. Donc une version un peu soft de la corde monofilament qui est très prisée sur le circuit pro à l'heure actuelle, avec une jauge inférieure à celle qui a été précédemment utilisée, donc du 130, qui donnerait un peu plus de stabilité, plus de précision. Donc du coup, réduire peut-être les zones d'erreur sur les lancers. Et donc ça devrait apporter satisfaction. À voir après peut-être sur un petit ajustement sur la jauge ou la rigidité de la corde pour plus tard. Et peut-être okay. Effectivement d'un diamètre un petit peu plus fin pour malgré tout avoir une certaine élasticité. C'est ça exactement. Et après on parlait de version peut-être un peu soft pour avoir justement un équilibre dans la dureté, pas être trop dur non plus. Donc ça peut être une possibilité. Et après, il y avait la question de la forme de la corde. On va avoir des cordes cylindriques, mais également des cordes qui vont être octogonales ou pentagonales, différents types de formes. Ça, c'est exclusivement sur les monos. Donc si on arrête le choix sur les monos, à voir quelle forme vous voulez donner. Moi, j'aurais tendance à rester sur du cylindrique. La géométrie continue, donc du cylindrique, parce qu'elles vont être en contact les unes avec les autres. C'est un étudiant de centrale. T'avais fait tes tests sur quoi, toi? Du 1,35 mm, c'était... j'ai la photo, hein, si tu veux aller sur le rapport. Ouais, je sais, je m'en souviens, mais c'était le 1,35. Donc je pense qu'on va basculer sur du plus fin.